officier mécanicien et pilote d'hélicoptère. Ensuite, j'ai basculé, comme beaucoup de personnes, dans le civil. On a monté une société qui s'appelait Alouette Hélicoptère Worldwide Service. Et donc, on s'occupait de faire fabriquer, à la place d'Airbus Hélicoptère, toutes les pièces d'hélicoptère de la gamme Alouette. Fin 2021, je voulais m'installer à mon compte. Et je voulais à la fois un métier technique, à la fois un métier où j'étais entrepreneur, et à la fois un métier où j'avais la capacité de me faire plaisir. J'ai peur parce que c'est de la décoration, c'est un produit qui est vivant, c'est un produit où on peut créer. Moi, j'adore ça. Je me suis formé et tous les jours, aujourd'hui, nous avons deux fleuristes qui sont là. Donc, elles me forment. Et tous les jours, j'ai des remarques, je fais des bouquets. Donc, quand je fais des bouquets, je vais leur montrer. Je leur dis qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Encore ce matin. Hein. Donc, elles me corrigent. Et j'en apprends tous les jours. Et c'est aussi ça, si vous voulez, quand vous êtes hélicoptère, vous savez, on dit un bon pilote d'hélicoptère, c'est un pilote qui est vivant, donc qui a respecté les procédures, qui a respecté tout ça. Et là, c'est pareil. Moi, je veux, si vous voulez, arriver à comprendre tous les codes qui nous permettent de faire de beaux bouquets. Et je veux, si vous voulez, que le magasin-là s'inscrive dans la durée, et surtout avec des compositions originales. Et c'est pour ça que je donne tous les moyens à mes fleuristes pour qu'elles puissent créer et se faire plaisir. Il faut se faire plaisir dans ce métier. C'est un métier passion. Il n'y a pas de nostalgie. Franchement, je me suis éclaté. Je me suis régalé en tant que pilote d'hélicoptère. Je me suis régalé. Les gens me demandent est-ce que ça ne te manque pas de piloter ? Alors, si on me proposait de piloter demain un hélico avec un ami, évidemment, je serais heureux. Mais ça ne manque pas parce que j'arrive à passer à autre chose.